partir tout à fait là-haut. Sébastien Rocheux là-haut. C'est vrai que vu d'ici, c'est... Il y a de quoi faire. Ça va être pénible. Sainte-Trope, perché sur son petit piton. C'est sûr que... Ouais, c'est le petit refuge, ouais. Puis là, la vue plongeante vers les... Ça devient sauvageon par ici. Ah ouais? Ça devient sauvageon. Ça commence à grimper là. Toujours en flamme de crête pour éviter le gros du rocher, mais apparemment. Il y a encore pas mal ici aussi. Hop. Ouais, essaye de me rattraper là. 7 avec son petit. Sa colline au loin là-bas. Pixel loup. Sainte Bobille à gauche. Ah, il y a du monde là. Et là, c'est les confins du Tarn. Avec toutes les éoliennes au-dessus de bars et compagnie. Ça y est, il y en a l'arrive. Il a trouvé le passage. Et voici la neige. Alors il va falloir retrouver le chemin dans ce petit bazar. Normalement c'est en face là. Il y a un petit marquage d'ailleurs, je le vois. Je le vois apparaître. Hop, ici et ici. Voilà. Bon, on va essayer de pas se perdre. Je pense que pour l'instant, le chemin est invisible. C'est la rando qui envoie du bois. On va retrouver Lionel. Voilà, c'est la route qui traverse l'Espinouse avec le col de l'Ourtigas juste devant nous là. Et au loin c'est le Caroux. C'est la descente vers Quessonol, descente Pentue. Ah ouais, joli, joli.
Ah, il faut y habiter là, c'est sûr. Un petit village perdu. Tu gardes des chiens maintenant? Tu gardes des chiens? Petit abri là, sympathique. Petit refuge même. Ah ouais, il y en a d'autres. Ah ouais, il y a des ruines un peu partout là. Ouais, exact. Ouais, ouais. Alors... Voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux pas se perdre parce que ça pourrait être embêtant. Et voici le portail de Roucandour. Ça s'appelle comme ça. C'est une curiosité géologique. C'est-à-dire que c'est totalement naturel. Là, ça va descendre sec. Je te le dis. Là, ça fait pas semblant. Ça va devenir un peu humide cette partie-là. Ouais, c'est une sorte de piste forestière qu'ils ont légèrement cimentée, on dirait. Terminé la journée.